Mercredi 20 mars 2024, et madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette tranche matinale Zengao de ce jour. Mercredi, vous êtes nombreux en train de nous suivre dans ce moment, madame, monsieur, je vous dis merci pour votre réelle attention, merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites pour la radio, la télévision qui parle. En ce moment, vous êtes scotché sur nos chaînes YouTube, notre chaîne Facebook, la RATEPI. Officiel, nous sommes en direct. Nous sommes en direct du centre Guimba Mouiste d'accueil et des conférences de Kinshasa dans la commune de Kassavou. Messieurs, dames, et le plus, merci. Motinabino vous a aidé. Yakolanda Bisso partout à travers le monde. Nous allons en Kamba, Yosenia Sika, Bissiga, Yosomi, Tata, Fumambanza, Tata, André Bezakangani. Motinabino, pensons. Vous êtes dans la Bakonyo, vous êtes dans Kamba, Yosenia Sika. Vous êtes dans les 18 villages, vous êtes dans le Touring Kamba. Vous avez une Kisasa, vous avez une Brazzaville, vous êtes tellement nombreux, je ne saurais vous citer tous en même moment, mais nous vous disons sincèrement merci, merci, merci. Zengao Yalelo et Bandi, mercredi solution, dit les mamans. Les lundis, mercredi solution, pas maman, pas Pokotaka, et bien les mercredis pour Napoluka, solution, Yamokili, solution, Yamabote, Kasi Mokolope, Oyo, rencontre mon aîné Apaki, Afke Zali Mokolope, Oyo. Bani spécial 22 mars, Motama ya Baba Joseph Diangena Kuntuma, le tout premier chef spirituel et représentant légal de l'église Guimba Mouiste. Lelone Tobandi, Pessa Muninga, bonjour, puisque vous allez. Maman Sidoni, Pessa Papa Fortuna, bonjour. Papa Fortuna, Pessa Papa Langaï, Mbote, le Baba Rachidi, bonjour. La salutation est très, très, très importante, ça nous permet. Pour que tout la conversation, ça nous ouvre les portes de discussion. Pessa Muninga Mbote, Zengoye Bandi, informe la personne qui est dehors, informe la personne qui est à côté de toi, la personne qui dort encore, Bibi, que Zengao et Bandi sont plus tardés pour le menu de ces jours. On aura droit à suivre le contenu du jour que nous propose la grande équipe technique. Je vais citer les noms ici vite fait. Derrière les camions, nous avons Papa Fortuna, Papa Bidad, Maman Sidoni. Et papa Rachidi qui sont derrière toutes ces caméras qui sont devant moi. Et à la régie mobile, papa Fao, Francis Tubalanda. Et puis la réalisation de Glody Diakes et Timba Diavangadi Cochon. Voilà un peu l'équipe technique que nous travaillons aujourd'hui ensemble pour spécial 22 mars. On aura le cantique du jour, le message des papas Simon qui manquent de ce mercredi, mais aussi le portrait des papas Diangeta. Papa, notre invité du jour, il s'agit bien du révérend. Sur Vance Soaleng, il est le conseiller, pardon, principal, dans le cabinet, il y a Tata Mokonzia, il est le bêta Masoro, il y a Papa Diagne, il est le bêta Mambete, Lélo, mercredi, lundi, jeudi, et puis samedi, il y a bêta Masoro, il y a Papa Diagne, il est le qui était et qui est Papa Diagne, il est le qu'est-ce qu'il a fait au sein de l'église qu'il mange, qu'est-ce qu'il continue à faire? Là, on le sait bien.
tout au long de la semaine Oyo, mercredi, jeudi et samedi, le vendredi, ah, culte, le 22 mars, c'est ce vendredi culte, ça, le mercredi, jeudi, tu vas péter le solo, il y a papa, le bâtisseur de l'église, qui me parle de ça. Sans plus tarder, je demande à la régie si elle parle le même langage avec nous, quand il peut jouer, tu vas pour continuer, branche, c'est là. Merci.
Voilà une très belle chanson du groupe théâtral Kimba Moussa et Jeté Kisantal. Ngaï Diangé dans la vie comme tout. Oui, ça c'est le message que Papa Diangé Kuntima a donné à ses enfants. Merci beaucoup. Tolandi, message de comprendre. Nous ne pouvons commencer cette émission sans pourtant saluer nos mamans. Elles sont devant les écrans pour nous suivre. Pour suivre Zengao. Merci beaucoup, nos mamans, la bisson. Deux bandes d'émission, au dessin de Pessa, maman révérende, maman Sidonie Loumouni Diombote. Merci beaucoup, maman, pour tout ce que vous faites pour la ratelle qui, elle n'est pas seule. Basali Bango, Minei. Minei, il y a moins de quatre, non? Basali Bango, Minei, pour la collaboration. Merci beaucoup à nos mamans, maman Sidonie, maman Nana, maman Anto, maman Francine. Merci beaucoup, chère maman, pour votre aimable et réelle attention que vous accordez à cette émission. Zengao. Papa Diangé n'a pas ce message. On va y Diangé n'a pas le message. Je vais aussi le dire parce que je suis un homme noir. Papa Diangé n'a pas l'homme noir. Dieu est noir. Dieu est noir. Adam et Ève est noir. Sont noirs. Adam et Ève. Alors, ben, on fait ça polémique dans le temps. Je me rappelle encore qu'il y a un musicien congolais avec ta musique mondaine. Et ça polémique, mais après, les hommes intelligents, sages, vraiment vont comprendre. Alors, c'est le message, on va dire, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Tout de suite, on va suivre le message matinal de sa divinité, Papa Simon. À travers la tranche Zengao, vous suivez le message matinal de Papa Simon qui nous regarde. Tout l'année, tout le monde va porter à Papa Diangenda. Et puis, mon mari nous a pour développer en suivant ce message. Imbazi, Lubia Kului, Yangalala, Esengobi Esengote. Qui est-ce que qui est-ce qui? Saï voga saï qui? Na komba tata moana pe tata moli mon centre. Tolani maté na biso. Kula misa pensa rapace en koloyes na tata Simon Kimba. Tege mama até biso. Nami beku ndege tolobaka kulu yiso luka ki ingana kufunda bina ipaya tatate muto kufunda biso ipaya tata Moïse bongo bie bongo te nani azwa ki mibeku zomi Moïse pasha kulu yiso zaki na baye kuli na ye tangu amona kete tangu na ye kuki ya liwa aswa ki baye kuli aswa kula ki alia ki ansamu kukula mpe aluba kike
gâteau et j'allais nous autres n'engager. Limona des allées maquila n'engager. Oui, à voler nous autres n'a maquila, ils souhaitent quoi et vous allez continuer. Depuis le baguette, beaucoup d'allées à venir te canaille. Bangona bango ba yeko ibangona botona ngai yote ngai yote yemo kwa lobena sini na yete otokolea na yesani moko yewana tango kono yesu azulipa wacha na sani uyuda pe ya chisani ankolo yesu ale atele mimba na moko akakukuna bongo vio mongo te elakishite enemi azaki na iwa yepe azaki moye kolo tisikoyo makamua hoyo mwona nakabie mwona nakate kasi misoto lani kono yesu makanisi ya mabitu za nangote kuhi ya za kuzela biso kuna tumunaka ozela mundimi ozela mundimi te suki ukufi ikuluzu bachaka na sipeche ikuluzu wane za kipuna nani kono yesu mendinga lubachete nipa soto nangai limona di makila na ngai yoza mundimi tango wana ikuluzu yakuzanga te osalelaki ye bongo yo mutu osalelaki ye te okina olakisango opaya nani okomemelango na nani yango bazopesa biso mayele tokanga maka ya kosalela nkolo yesu tata simon kimbangu tango ayaki na mokili batuni ye pardon yo ozali nani ye alobaki nani motindami ya nkolo yesu bongo ya na kikongo balobaka nini mpumwa ya mpumwa wetu yesu kristo pona nkolo yesu toyebi ke bakretien esika motindami tokoloba nini bakroyan toyokani mingi baza koninga kosomba bakarte mpe ya mundimi po balobi kroyan tezo esalamaki eza makamu mingi biso tozosambela kolo yesu ya nazareth okolo yesu moko na ye ezalaki nazareth lelo oyo kolo yesu ya rome makambo eza kushangeka ntambo kamvua ye wana ya simon kimbangu bapapa batikalaki kosala ngo na 5 mois kuna na nkamba wamini kolo yesu atindaki tata simon kimbangu sikoyo 4e generation tata simon kimbangu tozali bakwaya na ye ya kimbangisi bongo mbe bongo te français ezali wana badiscussion ezali mingi kasi biso tozokolanda ndenge bapapa batikelaki biso po ete makambo eza koya liboso tokokorige meme bible zwibake
sous la pensa mingité, mais va pas nous relaxer, nous sommes malins, malins. Pour gagner, hein? Mon cœur, nous a qu'il en haut, en Rouana. Par quartier, les animaux, va nous sombre. Donc, nous allons pas croire qu'il va vivre. Donc, si les signes, en combat, tata, moi, la paix, tata, moi, les mon centre. Amen. Voilà, c'est le message de sa dignité, papa Simon Kinokiangani, de ce mercredi 20 mars 2024. Et Zana Lingala, tous les jours, on a été mis au Tobon, voilà, tout changé. Tous les cartes qui m'ont dit. Tout foutre les cartes, tous les yoka chaque jour. C'est 500 francs. Carte, je pense, 2500 francs, je pense, tous les yoka. Tout foutre les 500 francs seulement pour l'année Motumba. Mais il y a des gens jusqu'à ce jour, bah, ça m'étonne vraiment. Alors, tu as un message, tu as un message, s'il vous plaît. Tu as un message, tu as un message, Oya Salandé, Toulandé, Yomoto, Oyebian Malam, Mouté, à travers ce portrait réalisé par maman Marbou, donc à mon papa René Deloupa, Toulandé, puis je vais commenter à moi juste après. Son nom est Papa Joseph Diangenda Kuntima. Né le 22 mars 1918 au village Kamba, au Bas-Congo, l'actuel Congo central. Fils de l'union de Papa Simon Kimbangu et de Maman Marie Mouilouka Wanganzitane. Il était marié à Maman Elisabeth Mvété le 22 mars 1943 et eurent 7 enfants. Tout jeune, il assista à la relégation de son père à Elisabethville et celui de son frère aîné, Papa Charles Kisolokele à Boma, par l'administration belge. À l'âge de 15 ans, il fut à son tour relégué à Boma, où il fit ses études primaires et secondaires à la colonie scolaire de Boma. Il obtient son diplôme le 23 décembre 1943. Il fut engagé dans l'administration coloniale belge à Tchéla, puis fut muté successivement à Matadi le 9 octobre 1946, à Boma le 26 novembre 1946, à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, le 19 mai 1947, à Luluabourg, l'actuel Kananga, le 16 septembre 1950, où il occupa le poste de secrétaire au cabinet du gouverneur Peigneux. Enfin, à Léopoldville, le 17 juillet 1952. Papa Diangenda est détenteur de plusieurs titres honorifiques de l'administration coloniale belge et de la République du Zaïre tels que effort de guerre, service rendu et loyaux services, dévouement et médaille du mérite civique, commandeur de l'ordre royal de la couronne du royaume de Belgique, chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand cordon de l'ordre national du léopard de la République du Zaïre. Arrivé le 20 mai 1959, Papa Diangenda Kuntima, intellectuel et social de l'homme, est créant des écoles conventionnées kimbanguistes. L'école de formation médicale, la faculté de théologie, des dispensaires, centre de santé et hôpital de l'église kimbanguiste, ainsi que de foyers sociaux. Il a fait connaître l'église et l'a fait adhérer au conseil œcuménique de l'église et à la conférence des églises de toute l'Afrique. Il a doté l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, des infrastructures de grande importance comme le temple de Matete, Matadi, Nkamba, Boko et Kimpanzu.
des centres de développement communautaire de Lutendele, Kinkewa, Plateau des Bateke, Kunzulu, etc. Il a initié et organisé l'autofinancement de l'Église par la collecte de fonds dite Tintin. Dès son vivant, il a toujours prôné pour l'amour, le commandement et le travail. Papa Dengenda Kuntima Joseph, bâtisseur de l'Église Kimbongiste. Son. Son nom est Papa Joseph Dengenda Kuntima, né le 22 mars 1918 au village Kamba, au Bas-Congo, l'actuel Congo central. Fils de l'union de Papa Simon Kimbangu et de Maman Marie Mouilouka Wanganditane. Il était marié à maman Elisabeth Mvété le 22 mars 1943 et eurent 7 enfants. Tout jeune, il assista à la relégation de son père à Elisabethville et celui de son frère aîné, papa Charles Kisolokele à Boma, par l'administration belge. À l'âge de 15 ans, il fut à son tour relégué à Boma où il fit ses études primaires et secondaires à la colonie scolaire de Boma. Il obtient son diplôme le 23 décembre 1943. Il fut engagé dans l'administration coloniale belge à Tchéla, puis fut muté successivement à Matadi le 9 octobre 1946, à Boma le 26 novembre 1946, à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, le 19 mai 1947, à Luluabourg, l'actuel Kananga, le 16 septembre 1950, où il occupa le poste de secrétaire au cabinet du gouverneur Peigneux. Enfin, à Léopoldville, le 17 juillet 1950. Boya no wa
Voilà, nous parlait, on parlait ici du papa Joseph Diengena Kuntima, le portrait. Momo Mardino a réalisé un portrait, c'est en français. Si tu as dit que tu as dit que tu as il y a papa Diengena Zali Penzanani, Momo Mardino, tu as dit en large un peu ce qu'on a réalisé. Voilà, je suis là, comme on a dit, papa Joseph Diengena Kuntima, il est à Botamaki le 22 mars 1918, dans Kamba, dans la province du Congo central, et Bengami Lelo. Et bien, je suis au Congo, na Kalalelo, et bien, je suis au Congo central. Azali, moi, na yami sato, ya papa Simo Kimbangu, pe ya maman Marie Mulukawanga Nzitani. Papa Diengena de son vivant, donc tant Azali na bomoi. Abalanaki na maman Elisabeth Mvete le 22 mars 1943, pe babotaki 7 bana. Na bojenes na ye assisté ki na bokangami ya papa na ye, papa Simo Kimbangu, tant batindeke na Elisabeth Ville, où est le Lubumbashi. Pe na bokangami ya yane ya liboso, papa Charles Kisolo Kele, ye atinamaki bongo na boma par l'administration belge. Alors na âge ya 15 ans, papa Diengena ye pe akangamaki, soit tolo bake batinda ki ye na relégation na boma esika yane azalaki, papa Charles Kisolo Kele.
na boma kuna nde papa Dienge Nakunti ma salaki ba études na ye classe primaire école primaire pe secondaire a zwaki diplôme de tanaye le 23 décembre 1943. Alors si ma bozu diplôme na ye papa Dienge ndazaki engagé na administration coloniale belge na tchela pe batinda ki ye bisika ebele atambola ki vraiment si ma ya engagement au Yazwaki na administration coloniale. Na 1946, le 9 octobre, à Kendeki na Mboka Matadi. Na Boma le 26 novembre 1946, na Léopoldville, au Ebengami Lelo, Kinshasa, capitale ya RDC, le 19 mai 1947, na Kananga, au Ezaki Bongo na Kala Lulabourg, le 16 septembre 1950, Kunande a occupé le poste de secrétaire dans le cabinet du gouverneur Peigneux. Nde pona kosilisa na mayo ya salaki sur le plan politique a tambola ki pe na Léopoldville o ezali bongo Léopoldville. Léopoldville en Kinshasa. Kinshasa. Oui, à l'époque. Léopoldville ba période onto sa ki tekiti général le bongo ya Pobeliel. Ah vraiment. Léopoldville dès le 17 juillet 1952 azonga ki na Léopoldville. Papa Dengenda azaki détenteur ya plusieurs titres honorifiques. Donc azaki na ba titre honorifique et belé ou ba pesa ki. La lingala titre honorifique en tout cas. Titre honorifique yo ba lingala malamu eza nini? Titre honorifique na lingala. C'est bon l'opes lingala. Voilà. Ezaki ba pesa ki yango na République du Zaïre. Ba titre wana ezaki tel que effort de guerre, service rendu et légaux services, dévouement et médaille du mérite civique, commandeur de l'ordre royal de la couronne du royaume de Belgique, chevalier, officier, commandeur, grand chancelier ou grand officier et grand cordon de l'ordre national au Léopold de la République, au Léopard plutôt de la République du Zaïre. Wana ezaki mingi ba titre oh papa lenge na zoki to mona ra photo moko ezaki pa lenge na latande si ba ribon moko boye tout ça. C'était du na ba titre o ya zoki donc ezaki vraiment détenteur ya ba titre belé na République du Zaïre o ezaki appellation ya kala ya RDC. Appelation kala oui Zaïre oui après quoi présent au bout. De temps au tokomi le 29 mai 1959 papa lenge na eko tika politique to administration coloniale pona kosala siko musala o tata ne atikila ki papa Simo Kimbangu. Ce qui veut dire ami pesa ki na misala ya Lingomba église Kimbongiste. Nde après signature ya arrêté portant mesure de dissolution du Kimbongisme o esalema ki bongo le 24 décembre 1959. Nde papa Dyangenda azaki nommé chef spirituel ya Yambo église Kimbongiste, donc premier chef spirituel et représentant légal ya Lingomba Kimbongiste à Zwaki Yango le 24 décembre 1959. Alors diront ko tambolisa o ya tambolisa ki église Kimbongiste a implanta ki église Kimbongiste to a fongolisa ki ba Lingomba na ba mboka ebele pe bisika ebele à travers le monde. Hormis cela Balobi abana iko sokipe na développement intellectuel pe social ya moto. Ouais. Na kosala ba ko créer ba école conventionnée Kimbongi c'est au monaka SK lelo ezali ti lelo depuis ce temps-là. Ouais. Ce sont les œuvres que papa Yengenda a réussi ça iko implanter au sein de l'église Kimbongiste. Alors hormis cela à sala ki ba école de formation médicale faculté à théologie na lutendele lui son soto ebiango c'est pas ngena qui a initié cela à sali ba dispensaire à sali centre de santé et hôpital Kimbongi c'est tout le monde à Kimbonteke hôpital à Kimbonteke c'est grâce à papa Ngenda pe à sali ba foyer sociaux hormis cela a réussi ça qui ko yebani sali Ngomba na conseil écuménique des églises hormis cela a yebani sa qui pe Lingomba na conférence des églises de toute l'Afrique. Donc wana je pense pas que Tilo existe à mais conseil écuménique des églises Tilo oui, oui, oui. ça existe donc, parmi les églises au monde et voilà. L'église qui nous fait partie ils ont ouais. Reconnu. Alors à comme ici Balobi il a doté donc à Pesaki na Lingomba
tout à de sorte que Lingomba est à la naba infrastructure tout ce ba meuble babiloko ba immeuble pe ba meuble oh Lingomba isaïe nango lelo c'est plus grâce à papa Diangenda hormis au papa Simon Kimba qui a gagné isaïe kotonga pe dira au ministère naie mais papa Diangenda pe a sali vraiment ya mingi ce qui veut dire atongisaki ba temple à travers Lingomba papa Diangenda a initié qui construction ya ba temple na aussi une église qui bongi c'est notamment temple ya Matete papa Diangenda assista qui temple ya Matadi temple ya Nkamba temple ya Boko où ils allaient bon la République du Congo pe temple ya Kimpanzu hormis cela à cela qui ba centre ya ba développement communautaire ce qui où ils allaient ya Lutendele tout suite au côté qui ya Lutendele ya Kinkewa il y a plateau de Bateke, puis il y a Kunzulu. Kunzulu, ouais. Donc, bah, centre de développement, tout le monde a un centre à haut, il y a agro-pastoral. Ouais. Donc, ils ont été plus initiés avec papa Diangenda. Oui, tout le monde a été beaucoup. Tout le monde a été beaucoup là. Donc, tout le monde a pas besoin d'avoir une vision de papa Diangenda. C'est lui qui a été l'initiateur de la colonie, voire même Kunzulu. Il y a un tabanda qui est mis à l'air, papa Simon qui est mort, qui est la première fois qu'il est dans ma vie. Et il y a eu la moussa mis à l'air Kunzulu, pas de bandes qui est à l'époque, il y a papa Diangenda Kuntima. Alors, hormis cela, il a initié et organisé l'autofinancement. Donc, tout le monde a collecte de fonds. C'est papa Diangenda qui a. Bazon on peut vous mettre à mon intintan. Il y a même d'autres pasteurs de l'église qui arrivent à faire ça exemple. Ouais. Parce que biso to zana ba to fréquenter ami ba milieu ba no kimbangi stepé. Au moins un pasteur ouais ça va diminuer. Hein. Bon un exemple ba kimbangi stepé. Kimbangi ça suit ba 5 $10. Atta ka pilipili a repé ça $10 ouais. Un pasteur de l'église de réveil. A repé cet exemple on est pas ba diminuer. Et que bon exemple ba kimbangi stepé ba na volonté ya otonga. Tout ça, c'est grâce à Paul Yangenda. À l'époque, on l'appelait voleur, on l'a traité de tous les noms. Tout ça. Mais les noms, les gens ont compris. Exemple, on sait que il y a le mango, mais comme il y a offrande, il y a pasteur, offrande, il y a ni construction. Et puis, à travers un bon, on a même les églises des rêves, bah, on a à travers un bon, on a tout à fait le loyer, il y a bisika, l'église est implantée. Grâce à un bon, on a parce qu'on a compris, parce qu'on a compris que, cause la financement les bandits à mon père c'est lié au moko au soto financé au pesambon pour que bouebako s'épanouir donc voilà si on peut conclure par là donc papa Diangenda yende mutu abanda ki ligambo etali ntintani na kati église kimbongi so tout le monde lelo et tout on a biloko ebele na kati ya Lingomba c'est grâce à papa Diangenda donc c'est pas en vain baben que les bâtisseurs de l'église kimbongi c'est parce qu'il a beaucoup fait au sein de l'église kimbongi exactement messieurs dames je rappelle qu'aujourd'hui on devrait recevoir le conseiller principal en charge de l'évangélisation au sein de l'église kimbanguiste, conseiller principal dans le cabinet du chef spirituel, le référent Surban Swalengem. Je pense que peut-être les problèmes d'embouteillage et autres qui a fait qu'il ne puisse pas être ici dans ce plateau avec nous. Mais déjà demain, je vous confirme que nous serons ici avec tous les bamboutes, avec tous les nkoumous, les gens qui maîtrise très très bien l'histoire du kimbanguisme, l'histoire de papa Diangenda Kuntima, lobby toko beta penza masolo ana en long et en large. Mais maman Mardino, il nous reste pratiquement quelques minutes. J'aimerais que l'on termine avec vous. Papa Chiki, là aussi, il va faire son entrée pour parler un peu de papa Diangenda. Papa Chiki, vous pouvez entrer, oui? Vous pouvez entrer, je dois me lever. Bon, yo vanana yo awa. Donc ça là juste moi tour des reportages aussi ça moi le solo oh à papa toi aussi c'est toi banamo le solo papa Diangenda vous êtes aussi journaliste ici à la télé souvent tout le monde a caillou na sport émission sport pour tous les lots vont être spécial le 22 mars tu veux mettre le solo papa Diangenda Kuntima oh yazalaki on a suivi le portrait vous étant jeune qu'est-ce que vous avez retenu un peu na auto le beli awa sur papa Diangenda Kuntima. Ah, maman Mardi, on peut lui donner le micro. On peut lui donner le micro, oui. Ok, bonjour papa Eliel, bonjour maman Mardino, bonjour chers téléspectateurs et téléspectrices de la Ratelki. En fait, à ce qui concerne l'histoire, il y a papa Diangenda, il faut retenir que papa Diangenda, d'abord, c'est les bâtisseurs.
c'est le fondateur vraiment il y a l'église kimbanguiste donc il y a vraiment à bandi l'église kimbanguiste wana bandi on a na ba combat na ba na administration coloniale bandi ko combattre mais il a commencé il a persévéré jusqu'à ce qu'il a installé l'église kimbanguiste na République démocratique du Congo et par après a prolongé na ba Angola ba Brazzaville et puis na ba Gabon. Ouais, j'aimerais que tous a beaucoup plus dans le secteur na bus et média na mukola lelo parce que si nous soutenons les œuvres de Padiangana, elles sont tellement nombreuses. Oui. Mais parlons un peu du côté des médias. On sait bien qu'en 1960, le 25 mars, nous avons une vision de la qui était tant que ça, l'exhumation, il y a quoi, papa Simon Kimbangu, qu'on peut savoir, Jean Calanvi, la caméra, pour avoir la couverture, il y a activité. Oui, oui. Couverture et activité, il y a exhumation, il y a papa, il y a quoi, papa Simon Kimbangu. Papa, il y a déjà une vision très longue pour nous recréer médias, co-créer presse au sein de l'église Kimbangu. Aujourd'hui, je dirais que c'est l'une des premières images où Penda Bisomoko tous années. Et aujourd'hui, médias implantés, en 2003, Papa Simon Kimbangu qui a matérialisé Vision. On le sait que Padiangenda a formé à Papa Bobé et tous nos papas pour que le média soit là. Parmi ces réalisations, nous citons aujourd'hui le média, la Ratelki, la Presse qui est là. Vous travaillez aujourd'hui dans Kati Aratelki, dans les médias. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans Vision Moulaïwan depuis 60? Non, mais écoutez, Vision, comme Outukolobangwa, très très bien, Vision, il y a Papa Diangenda, mais matérialisée par Papa Simo Kimbangu Kiangani. En fait, Vision, il y a lancé voix. La voix de Kimbangu était plus haut. Parce que Vision, il y a Papa Simo Kimbangu, il y a Papa Diangenda plutôt. Vision a un message. Il y a Papa Simo Kimbangu et Panzana Mokili Mobimba. Makambonio, tout Papa Simo Kimbangu Aloba, Bato Nyonso, Ba Yoka Yango, Ba Mindele, Bato Mwendo Nyonso, Ba Africain Nyonso, Ba Adere Yango. Alors, pour na quoi adere Yango, Yango Vision ya Papa Diangenda Zalaki, pour ça la média. Parce qu'à travers les médias, ne voit ya Papa Simo Kimbangu et ko Panzana Mokili Mobimba. Une façon que ça évangélisation. Voilà. Bien sûr que oui, parce que évangélisation actuelle, tout ça dans le 21e siècle, et tout ça dans le monde des médias, et tout. Donc, pour pousser plus loin, voilà, Papa Simo Kimbangu, il y a à travers Ratelki. Voilà pourquoi nous sommes très contents que les médias aient existé, matérialisés par Papa Simo Kimbangu, qui est notre Dieu, qui a voulu à ce que ces médias puissent exister. Merci, Papa Chiki. À un moment, Mardino Lungambo dit là, cette vision n'était pas limitée seulement pour la RDC. Parce que tant au Monilo, la Ratelki n'est pas seulement en RDC, elle est implantée en République du Congo, elle est aussi implantée dans d'autres pays, le Ratelki et Panel Mokil Mobimba. Et ce qui se référent à ce slogan de l'église Kimbangu, c'est Espoir du monde, Église universelle. Papa Diangenda avait raison de dire que l'église est universelle. Voilà, comme vous l'avez dit, Papa Eliel. Totsikalaka sur le plan médiatique. Le Totsika sur le plan médiatique, ouais. Lelo Ratelki, Eza étendu dans le monde entier, tout le bango, parce que Eza Kakana RDCT, Eza Kana Afrique, Eza Pena ba continent, notamment na Amérique, na Angola, na Brazzaville également, Ratelki Ezali. Eza Likambamounene, parce que nous étant enfants, Rateki et Zalaki nous peut-être né comme un niveau et comme il est loté. C'est Papa Diangenda qui a initié cela, mais Moutasali que et c'est tendre, c'est l'actuel chef spirituel, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Oto ebi que Ezali, Papa Diangenda en Papa Simo Kimbangu Kiangani. Exactement. Donc Ezaka juste continuité, il y a vision, il y a Papa Simo Kimbangu et pas il y a Papa Diangenda. Mais continuité, il y a vision, il y a Papa Simo Kimbangu, on a Papa Diangenda et pas il y a Papa Simo Kimbangu Kiangani. Parce que Zaka a bon mis ça, ton amour tout moko. Et Lelo, Ndenge Ratelki et Komi Lelo vont même la presqu'i parce qu'à l'époque, ils avaient qui boitait, 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 ils avaient qui vraiment difficile dans ma condition. Ma caméra, il faut retirer la bande cassette, mais Lelo, tu commences la caméra à l'aide de l'électricité. Donc, ils ont vraiment évolution. Et Lelo, tu commences à voir même direct, Ratelki, tu commences la live, la culte. Et surtout, qu'ils ont vision à papa, Papa Simo Kimbangu, qui est un chef spirituel, à chaque fois qu'il y a un message, il n'y a pas dans le monde entier. Tu as dit comment Lelo, papa Mbenza, tu as dit qu'il y a un camp,
bato bazolanda ye en direct papa Simo Kimba onkira na zaila na Kinshasa azoloba bato bazolanda ye en direct et ezali kaka Kinshasa na Kambate na Brazzaville ezoleka na Angola donc c'est une grande réalisation ce qui de ma part étant journaliste au sein de la Ratelki ko lobali loba pona œuvre auto vision ya papa Dengue na Kuntima en tout cas Azaka Nzambe, Nzambe a toujours un level mobo, elle a toujours une raison, mais Naza, peut-être est le côté Liboso Naye, tout merci Nanga, peut-être un impact sur le Liboso Naye, mais quand même, Naza reconnaissante. Naza reconnaissante dans l'œuvre, parce que non seulement elle peut permettre à tout Panza, Sangou Église Kimbangi, Stepe, Mongongo et Papa Simo Kimbang Kerani, ils ont épanouissement pour la Bissot. Bah et autres autant que la classe peut-être tout s'épanouir tout comme tout de plus en plus sur le plan professionnel au sein de la Ratelki en tout cas un grand merci à papa Dengue. Merci maman Mardelou Ngamboudi là papa Chiki je reviens à vous quand on parle de l'universalité de l'église Kimbanguista à Yemoka Bengamo espoir du monde église universelle oui. On a vu papa Simon Kimbangukangani. C'était l'année dernière, quand il est venu ici à Kinshasa, il est allé à Brazzaville. Oui. Il a fait 5 mois. Vraiment. À Brazzaville. Oui, Zaki d'abord, pour relancer les travaux à Kounzoulou, mais aussi pour inaugurer Ratelki, Nakati, la République du Congo. Voilà. Aujourd'hui, on sait bien que même la télévision nationale, ils arrivent juste là, la RDC. Effectivement. La RTNC. Oui. Ils ont juste la RTNC, ils ont juste la RDC. Quand oui. Nous prenons d'autres stations, d'autres médias, il y a RDC, ils ont juste la station sera la RDC. Au moins, on l'a bandaté. Mais quand vous prenez la Ratelki, qui est une entreprise de presse, effectivement, mais on va s'installer officiellement dans le pays Moussous. Et vous voyez le ministre de communication de la République du Congo aller pour la coupure du ruban. Ouais. Vous voyez la Ratelki en Angola à s'installer officiellement, oui. N'est-ce pas que c'est bel et bien l'universalité dont nous parle de l'Église Kimbanguista? Eh bien, c'est ça vraiment l'universalité que papa Diangenda à l'époque avait déjà prédit. Et aujourd'hui, c'est matérialisé grâce à notre Dieu, papa Simo Kimbangu Kiangani. Et comme Outu Kolobangwa, bien que papa Simo Kimbangu Kiangani a zaki na Brazzaville et à la présence, il y a ministre, il y a communication, il y a Brazzaville, Bakataki Riban. Pour inaugurer station il y a Brazzaville. Donc, Ezaka kana continuité, il y a pour rendre universel message, il y a papa Simo Kimbangu Kiangani. Parce que Moutounion surtout africain, nion surtout. Il faut ayoka voix ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Parce que Libi qui n'abuse les awana. Voilà pourquoi à travers par trichement ya radio n'abuse Ratelki. Tozo kolingato panza message ya papa Simo Kimbangu Kiangani et panza na mokili mobimba. Même baminde le bazan Europe. Bayoka yango, baouni otuba en Afrique, bayoka yango. Parce que message est universel. Message est zaka kapona ba yindote, mais zapo na mokili mobimba. Parce que mokili mobimba ekobika na message ya papa Simo. Merci beaucoup Papa Chiki, messieurs, dames, nous sommes en direct du centre Kimbanguista d'accueil et des conférences de Kinshasa, ici à Kasavubu, Nakati Lopango, il y a Tata Mfumalongo pour la banda spéciale 22 mars. Il y a des invités qui étaient prévus aujourd'hui, mais malheureusement ils ne sont pas avec nous. Mais entre les journalistes, nous partageons un peu la vision des papas. Tokoyamba Bongo, Bato Tosite, les lois Obayakite, pour que tout le monde. Je demande à la régie. Tolanda Nzembo Otozobeta Awa. Il y a une chorale, je te kin Yangara. Maman Mardino, je vais y revenir avec vous, je vais parler avec vous. Je te kin Yangara à Yembi. Tolanda Kiango, Ngai Diangé Nana Komituna. Est-ce que Maman Nangé aussi la thé Moïndo n'a pas sur l'icône, c'est Moïndo, je fais. Là, c'est le message. Sotoyen Nzembo Malam, c'est Papa Diangé qui parle na Bisso Batu. Azo exprimé inquiétude Naye. Alors, j'aimerais que si la régie est prête, je ne sais pas. Oui, on continue. Alors, j'aimerais que toi qui as vision mususu. L'histoire mususu ya papa Diangenda Robi azali pour nako développer l'homme noir à travers Bakelasi, à travers centre agro-pastoral, tout ça pour nako sala été moto aiba ko développer encore croissance intellectuelle naye aiba nako sala akufanzalate. Aujourd'hui, nous voyons, on a cité ici
Lutendele, on a cité Kinkewa, on a cité Kunzulu, tout ça. Yo penza aujourd'hui une femme intellectuelle aussi Lissi Bakelasi Ozako Sala. Comment vous pouvez synthétiser ou quelle peut être votre lecture par rapport à tous ces travaux que Vadiangen a fait pour la jeunesse? Ouais, comme vous l'avez dit, je peux faire une petite récapitulation par rapport au ministère d'abord de Papa Simon Kimbangu. Mm-hmm. Parce que Papa Simon Kimbangu Tangwaye a eu trois pouvoirs. Ouais. Elle a un pouvoir politique, elle a un pouvoir scientifique, pas elle a lingomba. Na lingomba, elle a une langue, une église kimbongiste. Comme je l'avais dit tantôt, continuité, mission à Papa Yangé n'est juste continuité à mission à Papa Simo Kimbangu. A changé Kakanzoto, à s'incarner na Papa Yangé Ndakunti. Exactement. Pour parler de ses réalisations, tout ce qu'il a pu réaliser, comme je l'ai dit, étant jeune, même les non-kimbongistes le savent. Non-kimbongistes n'yonso, oh, vraiment, bah, existait qui n'a tant wana. Ton un jeune Congolais conscient, oh, vraiment, a yébi vraiment, bah, origine, a yépé historique, y'a Congo, oh, a yébi penza, donc, kibokoko vraiment, y'a RDC, a koki jamais kobeta l'isolo y'a Congo sans passer par Papa Simo Kimbangu et Papa Nyangienda. Voir même Papa Kisolo Kele pour aller plus loin. Ouais. Parce que baza ba tout moko vraiment ba s'implique qui na o etali politique au sein ya République démocratique du Congo. La répète pour prendre cette chanson pour souffler un peu, laisser un peu le temps de souffler. Il fait tellement chaud ici au centre d'accueil. Tout la nzimbo oyo et to mila mama et puis tokosonga. Est-ce c'est bon, on peut écouter cette chanson. Soki mawa na ngai makosi na te, libotani dona ya kato mikisa. Kino lelo nizali kondimela te, nikamba misena misala ya mabe. Nibeko misala bari koni beki, kutula kwa finga ngai nitikite. Bozo baya mwindo ekosi na te. Nyanyenda nazali ko mituna Soki mawana ngai makosi na te Nikotani dona ya kato mikisa Kino lelo nizali kondimela te Nikamba misena misala ya mabe Nibeko misala bari koni beki Kutula kwa finga ngai nitikite Bozo baya mwindo ekosi na te Nai nyanyenda nazali ko mituna Soki mawa na ngai makosi na te Nibotani dona ya kato mikisa Kino lelo nizali kondimela te Nikamba misena misala ya mabe Nibeko misala bari koni beki Kutula kwa finga ngali nitikite Bozo baya mwindo ekosi na te Moima, moima Na peso ni kora ya fanga oni mwate Wakanga misema misema ya fakiro yo Nyeba ya mwate ekosi na Nasiyo mwana na ngai mbimelaka Kukuka kumona kenda kala kaka Niso ozali kumona lelo sepapa Bie bizali kozela yo bimbeki Kasi yo mwana na ngai bimbelaka Kukuka kumona kenda kala kaka Niso ozali kumona lelo sepapa Bie bizali kozela yo bimbeki Oi ma, oi ma, na peso ni kora ya fanga oni mwate Wakanga misena misena ya fakiro yo Nyeba ya mwate niko singa Kasi yo mwana na ngai mbimeraka Kukuka kumona kenda kala kaka Niso ozali kumona lelo sepapa Bie bizali kozela yo bimbeki Kasi
siyo kwana na ngaiti belaka Huku kako mwana kemba nyala kaka Niso wazali komo na lelo sepaka Mie bisa niko sela yo mingeki Oi ba, oi ba Na peso ni kora ya sama oni mate Oka kami sama biseno ya sakiro Deba ya mwate niko sika Kasi yo mwana na kaidi beraka Huku kako mwana kemba nyala kaka Niso wazali komo na lelo sepaka Bie bisa niko zela yo bindeki Kasi yo mwana na kaidi beraka Huku kako mwana kemba nyala kaka Niso wazali komo na lelo sepaka Bie bisa niko zela yo bindeki Oi na, oi na Na peso ni kora ya sama oni mate Oka kami sama biseno ya sakiro Deba ya mate niko sika Kasi yo mwana na kaidi beraka Huku kako mwana kemba nyala kaka Niso wazali komo na lelo sepaka Bie bisa niko zela yo bindeki Kasi yo mwana na kaidi beraka Huku kako mwana kemba nyala kaka Niso wazali komo na lelo sepaka Bie bisa niko zela yo bindeki Voilà, nous sommes de retour dans ce plateau. Messieurs, dames, vous avez suivi la chanson du groupe théâtral Kimbangwista, Je te quitte central. Ça, c'est un message que Papa Diangenda Kuntima a donné à ses enfants. Quand on dit ses enfants, ce n'est pas seulement le Kimbangwista. L'homme noir, Bisonde Apesi, message Joana. Alors, nous parlons un peu d'une manière sur la forme, un peu de la vision de Papa Diangenda Kuntima. Tobeti Solo, il y a vision naïe, au état immédiat. Il voulait que. Mongongo Naye, toutes ces réalisations puissent être connues sur l'ensemble du monde entier. Donc, mon été Lili, le 25 mars 60, Tozala Kanengo, exhumation et accord à papa Simon Kimbangu. Tozala Kanengo, déjà, il avait la vision qu'il faut un grand média pour que Majwan et Moulana. Et non seulement ça, il a voulu travailler sur la transformation de l'homme noir. Parce que déjà, l'homme blanc nous prenait pour des nègres, des gens qui ne pouvaient pas réfléchir, qui ne pouvaient pas créer, qui étaient limités. C'était ça l'homme blanc. L'homme blanc pensait ainsi. Et Papa Diangenda Kuntima, tant que Yekoli Nakibomoto, parce qu'il est. Il a une dimension spirituelle incomparable, nous l'appelons le Dieu le Saint-Esprit. Mais après, quand il y a l'administration, c'est l'homme Mondele, et pas Naïe, et puis il a voulu transformer l'homme. Il a créé des centres. Il a créé, il a initié Bilangato Ntobokola. Il a voulu d'abord que, déjà il préconisait que Moto Mondele a Rokende, donc on a carence. On va toujours coloniser d'une façon économique, même si politiquement nous sommes indépendants, mais économiquement, on va toujours bloquer. Il faudra que Bilogo t'a toujours poto et yaga. Il faudra toujours. Ouais. Et tout ça, lui a pensé, nous essayons de côté à Motomoindo, qu'on l'a qui sait, mon salaire m'a beaucoup, qu'on l'a qui sait, qu'on l'a, qu'on beaucoup là. Comment on a mur. Nous voyons le mur et la sonde à laquelle on nous dit que c'est les mamans qui ont construit ça. Nous voyons tout ça auto-prise en charge. Et ça, c'est la vision. Bon, avant Mousse est venu dans le temps où il a eu le pouvoir de 97 et avec qu'on s'est implanté dans 99. Lui, déjà à l'époque, il a pensé qu'il a travaillé à Motomoindo. Alors, prenons un peu tout ce qu'on voulait, mon corps, on a terminé volet économique avec l'autosuffisance, avec Tôn Ampé Tobokola. On va terminer avec Marano qui avait le micro. Tôn Ampé Tobokola. Aujourd'hui, on a vu le gouvernement congolais d'abord acheter les bateaux de pêche qui sont trois, ils sont encore en Égypte. Je pense qu'ils ont honoré Papa Simon Kimbangu. Mon corps va tout Simon Kimbangu, honoré Papa Simon Kimbangu.
Alors que l'église déjà a acheté le bâton, Ezoya, mais aussi Babilanga. Ou Ezo Salema, pour que Toebako laisse d'abord Bissoumoko, pour que tout soit indépendant. On a vu, tant qu'on joue le Salamaka, Biloko n'a qu'à couvrir moi sous région. Et aujourd'hui, quand nous tenons les salamis, tant que Salamaki, quand on a fait le poulailler par les femmes Kimbamusa, nous prenons seulement la commune de Mongafula, Ngaliema, les œufs, et bien, on a couvrir la population que toi, là. Tout ça, il y a sur Libanate. Cette grande vision, si le gouvernement adopte ça, on ne veut pas dire financer seulement, on ne veut pas dire que le gouvernement finance, mais ce qu'a adopté une vision, à Tiemabok pour que Tokyo Nibosso, est-ce que pensez-vous qu'on va toujours commander, attendre les Blancs puissent nous envoyer leurs déchets? Comme vous l'avez dit, papa Eliel, papa Benzalobango tout le temps et papa Simo Kimbangu. Bisonde mutole sa mokili, comme il le dit tout le temps, parce que crise moko ekoya na mokili, toriya na RDC, ça sera autour de l'église Kimbongi, c'est maintenant de couvrir cette crise-là. Or, ce qui gouvernement congolais est adapté notre façon de faire, je crois que toko importa ka susu babilo kote, en dehors du pays. Je vais donner un exemple, tango inauguration ya Kunzulu et Salemi, avec l'assistance du président de la République du Congo, l'excellence Denis Sassou Nguesso. Batouo, Batanaki, discours, les différentes personnes qui ont défilé pour faire leur discours. Bengi, le président Denis Sassou Nguesso, les visionnaires. Parce qu'il a donné une très grande partie de son pays à l'église kimbongiste pour que Basala Bilanga. Et pour dire, Atali Leloté, Atali Lobby, un jour Brazzaville te recommande la crise. Nous allons courir vers ou recourir à l'église kimbongiste, puisque Bango déjà baza fort côté à Colonna Peko Bokola. Voilà pourquoi Abenga qui est visionnaire. Ce qui coûte tout, siège international de l'église kimbongiste, c'est un RDC, c'est un Brazzaville T. Mais le président brazzavillois a comprendre vision, Anna, à s'impliquer dans Yango. Il y a même sa fille, au hasard. Madame Stella, voilà, c'était la marraine, il y a Mistala Nanyo sur Kunzulu, hormis cela, ils ont un projet, nous sommes au sein de l'église kimbongiste, parce qu'ils ont compris la vision de l'église kimbongiste. La RDC aussi, Togo Zalaba, un gratté petit à petit, Togo, continue, ils sont en bon cas, élan, pour preuve, le président de la République a pessi journée, si ça voulait, les crétins au férié chômé payé. Hormis cela, Bazo, Pesamaboko, on a construit na Misale, Chemin de la Passion. C'est le gouvernement congolais qui est en train de financer tout cela. Donc, malé, mais Bazo a élan. Mais, Etikalakara, plutôt, na, pas sur ces plans-là, mais Toko, Tana Social, plus Papa Dengen a insisté à Kakolo, na Peko Bokola. Parce que c'est très important. Et là, on a importé dans la Liboum. Moutarosa, on attend Mouzunzela et Otambo, la Kolo, Kabaroute secondaire. Mais ce qui est Liboum, Ezate, Eza, il est là comme ça. Très bien dit, Maman Mardino. Il nous reste pratiquement 10 minutes. On va parler avec Papa Chiki. Maman Mardino, alors, Papa Chiki, elle a tellement bien parlé, Maman Mardino. Vraiment. En tout cas. Si le gouvernement, je vous donne la parole. Ah, okay. Si le gouvernement de la RDC adopte aussi ce qu'a fait nos voisins, le gouvernement d'en face, le gouvernement congolais, on sait que le projet Oya Kunzulu, sur la bonne sanité, le gouvernement RC, République du Congo, voilà. On a un programme de développement 2022-2026. Voilà. Pour nous réactiver Misala. Voilà, effectivement. 2022-2026. On a vu le ministre, ils sont mobilisés, ils quittent des hélicoptères pour nous zonger ça Misala. Okay. En marge. Alors, c'est aussi en RDC. Tout là, chaque jour, on a vu Basali à Kanyama KCC, là où les prisonniers vont. Service national, et tout. Tout, tout, maïs. Tout. Oui, ils ont mal, vraiment. Mais ce qui va booster encore plus voilà. Avec cette vision, pensez-vous que tu as un socio et un tagapote? Papa Eliel, yango likambo ya munene tozolo ba awawa, Mama Mardinio pe uti koloba yango, vision ya Papa Diangenda ezalaki munene. Papa Diangenda amonaki lobby.
amonaki les lotes amonaki lobby ayebaki ke crise économique ekoya munene na mokili na biso. Voilà pourquoi awa na Congo na mboka na biso toza na bendo pakistanais bango baela biso ba vivre frais et tout non, omoni trop de formol et puis ezo baby sa nzoto na biso ezo baby sa bomoto même ya biso. Voilà pourquoi Kunzulu eza important pour na konori et puis pour tozwa indépendance économique. C'est très important pour na biso ba yindu tozwa indépendance économique. Pourquoi? Parce que la Koreki l'osozo sa la mara chaque jour. C'est très important. Comment te koli akaba l'osozo tana na ba Inde, na ba Pakistan, na ba Chine et tout. Et pourtant biso moto na ba espace awa yaminene. Voilà pourquoi nous remercions les chefs de l'État du Congo Brazzaville d'en face qui a donné l'espace pour que Kunzulu et Salama, pour que Tolona, pour que Tobokola, pour que tout ça la auto-prise en charge Bisomoko Baino, Otokolona, Yangozala Otokolia, Otokobokola, Pesala Otokolia. Donc, ils ont la vision Moko Yamunene, donc étant que visionnaire, étant que Moutou Oyo Azo prédire même avenir Yamokili, Yamonde. Voilà pourquoi Papa Dianguenda a prévoyé qui est Lokoana Yakolona, Yakobokola, pour na to consommer en haut Bisomoko Baino. Parce que ce qui est Tikali Kaka, il y a causé la rabbi Lokokoutaka, na Inde, Koutaka na ba, je sais pas, Chine et tout consort. Donc, tu causes indépendance économique. Voilà pourquoi il faut s'élargir même na Congo, Kinshasa, Awawa. Donc, biso bakimbangis, tozo sengaka espace, pour na to lona, to buka, to. Tokolisa tobokola pe ba bibwele enfin que biso moko ba congolais toye ba kulia oyo tozo lona toye ba kulia oyo tozo kobokola. Donc c'est vraiment une vision oeza munene. Donc tozo mona pe Kabila papa Kabila le père pe ayaki ko emboîter les pas na vision ya papa Dianguenda parce que vision ana ezala ki ya papa Dianguenda mais tant que papa Kabila le père ayé a bi auto prise en charge tolia o biso moko tozo lona tolia o biso moko tozo te mutakufa ya zate toye na ba cantine publique na na ba maison communale biso tonne ko kino kosumba baloso to kino kosona manioko et tout konso. Donc c'était vraiment très important tolona to bokola. Donc vision ya papa Dianguenda ezala ki munene vraiment. On a vécu ça, hein? Non, nous on a vécu ça à l'époque de Mouzé le père. Ouais. Vraiment ezala ki vraiment intéressant. Non mais c'est non le... Je dis que ce n'est pas que je n'étais pas encore née, hein, Papa Eliel. À cette époque-là, j'existais déjà. Mais sauf que je n'étais pas à Kinshasa, parce que moi, je ne suis pas natif de Kinshasa. Ah, c'est que Bokayinga. J'étais encore toute petite. J'étais encore toute petite. Et par pied, donc quand Kabila le père est venu, à l'obi, il faut bisomoto produire. Voilà. Plus question, Mondele, à Lukaki, à Pessaye, à Sala, à Magui, tout, mais tu fais quitter. Oui, tu fais quitter, toi, tu as un embargo. Belé. Toi, tu as un embargo, et Belé. Je dis, sans paix, en 2020, il y a eu quoi? Coronavirus. Coronavirus, voilà. Tout était bloqué, hein. Tout était bloqué. Voilà, il a fallu, tu vois. Donc des histoires comme ça, papa Dianguenda déjà, il avait prédit ça. À mon avis, il a déjà la vision et puis Albi Tolona, to Bokola. Nous allons y aller parce que bisomo tozolona, bisomo pe tozo Bokola, tozoliaka o tozolona, tozoliaka o tozo Bokola. Donc tozaki à l'aise na Kamba et puis. Je sais pas, les Blancs pensaient peut-être que l'Afrique allait se détruire. Oui. Parce que à oui, ils ont prédit beaucoup de choses. Ils ont pensé même que bisoto Rokufa et Belé Kole Kabango. Mais vous saviez tant que tozana Nzambi na biso papa Simo Kimbangu. En tout cas, Liwa et Komaki Mouke, c'est le contraire, il y a Oyo Bango Bakanisa. Parce que Maël et Anzam Benabiso, ils ont Maël et Abangote. Je l'apprécie quand nous parlons des blancs véreux, pas tous les blancs. Ah voilà, bon. Ça aussi, il faut le dire. Il y a Maël et Mabé, il y a Makanisa Mabé, Bakanisa qui bon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'ambiance un peu ici dans ce plateau. Vraiment. C'est le début de spécial 22 mars, nous allons parler pendant 3 jours, mercredi, jeudi et samedi. Sur la vision des papas Dianguenda Kountima, matérialisée aujourd'hui par nos papas, par papa Simo Kibankangani et ses conseils directs qui sont là derrière lui pour lui donner le coup de pouce pour matérialiser cette vision où il va papa Kangaka pendant le 5 mois. Nous sommes à la fin de cette émission de ce mercredi 20 mars 2024. Lobby Tokojoa, Batomosu Supoto Beta, Masolo et à Papa Dianguenda Kountima. Le lot aussi moi, volé me remouquer, personne n'a pas assez de temps pour développer tout.
Diangé Nakuntima, le bâtisseur de l'église Kimbangouste, on est au Kabola. Tout le long de la semaine, son parcours professionnel, son implication pour le développement de ce pays, pour l'indépendance aussi de ce pays, Tokolo Belango, Nabankumu, Nabatamayele, Baye Oyopenza, Baby le sens, Baby Lingoma, Bayebi Penta, historique, il y a Papa Diangé Nakuntima. Mais aussi, il me reste quelques petites minutes. Nous interpellons encore la conscience de nos autorités politiques, tout ça. Il faut que nous apprenions l'histoire du Kimbangouisme, l'histoire de l'homme noir. Le chef de l'État a dit na gouvernement qui était histoire de Simon Kimbangou et ba côté ama na bakelas. Mais jusqu'à ce jour, rien n'est encore fait. Nous espérons que dans les jours à venir, Salama, il ne faut pas nous enseigner seulement l'histoire de Diego Kao. Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo et tout comme ça. De fausses histoires. Vraiment. Qui ne nous concernent même pas. Vraiment. Ça n'a pas de sens. L'homme noir est réveillé pour conscience et zomba. Nous sommes à la fin. Nous sommes un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Ce matin, nous citons tous mes amis caméramen. Il y a Anna Clé qui est derrière la caméra. Il y a Bildad qui assiste, qui est aussi là. Nous voyons Fortuna qui est là. Ils ont été coordonnés par notre papa. Papa Rachidi. Il y a le caméraman, Il y a un camba, il y a un bayaki. Il y a un belé pour nous faire un peu de temps. Merci Nabine Mozagi. Nabin Mozagi. Penza et belé. Dans la régie mobile, nous voyons la présence de papa Francis Toubalanda Difaon. Et à la régie finale, nous voyons très bien Cochon, appelé Timba Mbiavanga et Glody Diakie, c'est le maître. Le directeur technique adjoint était là aussi, la présent le juif noir, DTA Relais du Lengue Mix. Merci papa pour cet encadrement. Et nous avons un grand merci à notre directeur de production, l'ingénieur Paul Kalago, le chef coutumier. Merci à vous tous. Merci à notre directeur général. Aujourd'hui, vous nous suivez à travers le YouTube, le Facebook, parce que il a mis le moyen avec son comité, tout pour que Bolanda soit vraiment en direct. Merci à DG Christian Kouzouakipa et tout le comité Mwabizi de Pessio Mbote, la directrice des finances ici à la Ratelki. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Te recevez pour Pessa. Merci à ma maman. Vous comprenez les mamans. Oui, ma maman va se belé. Moi, na bango, bonne fête. Solution. Et puis, ma maman va se voilà, maman révérende, maman Sidonie, Alain Dibisso, maman révérende Francine, maman révérende Anna, maman révérende Anto. Merci pour votre réelle attention, pour les soucis, pour les conseils, pour les rappels. Merci, Tokutani Bongo, Lodi, la même heure, pour continuer l'émission. Oyo, Zengao, à demain. Ciao. Ciao.